International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Le président, bonjour à tous. Donc avant d'entendre ce témoin, j'ai quelques décisions orales à rendre. Trois décisions orales et quelques informations aussi. Donc, première décision orale. Décision orale sur la requête de la défense aux fins d'empêcher l'accusation de citer le témoin P97 en tant que témoin expert et aux fins de restreindre la portée des éléments de preuve attendus du témoin P97. Référence à l'écriture confidentielle 562. Mr. Blake Goudet. Donc la défense de M. Blake Goudet a demandé à la Chambre, par cette écriture, de rejeter la comparution de P97 devant cette cour en tant que témoin expert et deuxièmement, ordonner à l'accusation de restreindre ses questions au témoin P97 au fait qu'il a observé personnellement et rien d'autre. La défense de M. Gbagbo soutient cette demande et demande aussi à la Chambre d'ordonner à l'accusation de ne pas présenter, de ne pas verser au dossier, si on prend l'interprète, un certain nombre de pièces qui seraient des éléments de preuve basés sur une opinion ou, dans l'alternative, de limiter les questions autorisées à la méthodologie de recherche étudiée utilisé par P97. La Chambre ayant étudié les écritures de l'accusation dans le courriel du 31 mai 2016 et les écritures de la défense de M. Gbagbo dans l'écriture confidentielle 564 décide de rejeter la requête pour les raisons suivantes. Premièrement, l'accusation a bien expliqué qu'elle ne souhaite pas citer le témoin P97 en tant que témoin expert. Donc, toute requête et toute écriture faite sur ce point sont sans objet. Deuxièmement, la deuxième partie de la demande est la suivante. On demande à la Chambre d'ordonner au procureur de se limiter, de limiter ses questions aux faits observés personnellement par le témoin. La Chambre remarque que dans ces directives adoptées le 4 mai 2016, on trouve un grand nombre de consignes concernant la façon dont les parties doivent mener leurs interrogatoires et la Chambre doit diriger ces interrogatoires afin d'obtenir les résultats justement demandés par la défense de M. Blake Goudet. Donc les équipes de la défense auront la possibilité de contester les questions telles qu'elles sont posées en se basant sur ces consignes. Et nous leur demandons de se référer aux paragraphes 23 et 33 des directives qui sont particulièrement pertinentes sur ce point. Troisièmement, en ce qui concerne la demande de M. Gbagbo, afin que le procureur reçoivent l'ordre de ne pas présenter en tant qu'élément de preuve un certain nombre de pièces qui seraient des preuves basées sur une opinion. La Chambre rappelle sa décision sur la présentation et le versement au dossier des pièces en date du 29 janvier 2016, écriture 405. La présentation d'une pièce donnée n'a aucune répercussion sur la conclusion que la Chambre en fera quant à sa pertinence et à son admissibilité, qui seront en fait faites en règle générale
à la fin de la procédure, donc avant le jugement final, ça c'est la règle générale, ou à moins où l'exception serait que une ordonnance intermédiaire soit demandée au titre du statut. Donc la Chambre rappelle à le paragraphe 43 de ces directives permettant aux parties de présenter directement des éléments de preuve documentaire sans avoir à passer par un témoin. De façon générale, la Chambre demande aux parties d'éviter de présenter des écritures qui sont basées sur des scénarios hypothétiques, c'est-à-dire ce que le témoin pourrait éventuellement, c'est-à-dire ce que l'on pourrait éventuellement demander au témoin ou ne pas demander au témoin, et que ces écritures devraient plutôt avoir pour but de ou les Et la Chambre demande aussi aux parties de ne pas présenter des écritures qui n'ont pour but que de demander à la Chambre de répéter des principes qui sont déjà dans les textes pertinents ou dont le but est d'obtenir des résultats qui pourraient être obtenus de façon beaucoup plus efficace en réagissant normalement lors des interrogatoires. Les demandes de cette nature ne peuvent pas être considérées comme aidant le principe de leur réalité. Qui est pourtant rappelé par la défense de M. Bégaudier comme étant un élément essentiel de ce procès et ou permettant la rapidité de ce procès. La Chambre déplore maintenant le fait que cette requête ait été déposée si tard. La défense de M. Bégaudier a été avertie de l'intention du procureur d'appeler le témoin 97 dès le 30 juin 2015. Et dès le 15 octobre 2015, il savait que le procureur allait l'appeler comme étant le dixième témoin. Donc, il s'agit de l'annexe A de l'écriture 294. Il est donc regrettable que la défense de M. Bégaudier n'ait déposé sa requête qu'une semaine avant la comparution prévue du témoin 97. De ce fait, la Chambre a dû réduire à moins de 3 jours le délai aux fins de répondre aux demandes. Et comme l'a dit la défense de M. Bégaudier dans un contexte différent, la réduction des délais devrait être uniquement employé de façon prudente et ne devrait être autorisé que lorsque des motifs suffisants ont été donnés, surtout lorsque l'on sait que la partie demandante a eu suffisamment de temps pour présenter aurait eu suffisamment de temps pour présenter ses écritures plus tôt. La Chambre instruit donc aux parties de déposer une version expurgée publique de sa requête, ainsi que les réponses, et ce, avant demain midi. Deuxième décision orale portant sur la réponse de la défense à la communication par le représentant légal des victimes. En ce qui concerne la non-divulgation à la défense de l'identité des victimes participantes. Donc, il s'agit de l'écriture 460 dans cette affaire. La Chambre rappelle que sans la décision sur la participation des victimes au procès, écriture 379, elle avait donné pour consigne aux représentants légaux des victimes de contacter toutes les victimes qui participaient afin de déterminer si ces victimes soulevaient des objections quant à la divulgation de leur identité à la défense et, le cas échéant, d'indiquer les raisons pour lesquelles elles ne voulaient pas que cela soit divulgué. Après avoir parlé aux victimes, le LRV a indiqué que toutes les victimes s'étaient opposées à ce que leur identité soit divulguée à la défense. Il s'agit ici de l'écriture 460. La défense Blégoudet a déposé une réponse à cette écriture, demandant que l'identité des 258 nouvelles victimes admises à participer en ce procès soit divulguée à la défense. La Chambre remarque dès le départ que l'écriture 460 était plutôt une communication d'informations entre le représentant légal des victimes et la Chambre, suite aux instructions de la Chambre, plutôt qu'une demande en bonne et due forme où les parties doivent absolument prendre position. De plus, la Chambre est convaincue par les raisons
fournie par la représentante légale des victimes concernant la non-divulgation dans sa communication à la Chambre, et plus précisément par le fait que la situation de sécurité en Côte d'Ivoire est encore volatile. De ce fait, la Chambre rejette la demande de la défense Blé Goudé. Cela dit, comme cela a été fait récemment dans la décision de la Chambre sur la demande de l'accusation aux fins de supprimer certaines expurgations des formulaires de demande de participation des victimes. Il s'agit des écritures 465 et 493 et de l'écriture 506. La Chambre continuera à considérer au cas par cas les demandes aux fins de divulguer l'identité des victimes lorsqu'il est établi que ces informations sont essentielles pour la préparation de la défense et rendra donc sa décision au cas par cas. Ceci termine la deuxième décision orale et maintenant nous allons parler du calendrier à venir. Donc pour les audiences entre août et décembre 2016. Mais la Chambre aimerait quand même faire certaines remarques sur les observations déposées par la défense de M. Gbagbo le 6 mai 2016. Ici, il s'agit de l'écriture 505. La défense de M. Gbagbo interprète le principe de rapidité du procès comme étant uniquement le droit de l'accusé à avoir un procès rapide, sans retard inutile. Et donc, ce ne serait que l'accusé qui pourrait dire si le procès remplit ce critère de rapidité ou non, et la Chambre ne serait pas autorisée à intervenir ou à prendre des mesures de sa propre initiative ou sur la base de l'appréciation qu'elle aurait de la du rythme qui satisferait à cette demande de rapidité. Or, la Chambre considère que cette position est parfaitement incohérente avec la procédure établie. D'un côté, nous avons le droit d'être jugé sans retard et le principe de rapidité qui ont été interprétés depuis fort longtemps dans le droit national tout aussi bien que le droit international. Il est évident qu'il y a une tension inhérente. D'un côté, il faut avoir le temps à la défense, pour la défense de se préparer, et d'un autre côté, et l'accusé a droit à être jugé dans un temps raisonnable, et donc il faut que le procès soit rapide. Donc la Chambre prend bien en compte cette tension entre deux paramètres, mais par le statut, elle doit garantir que le procès se déroule de façon rapide et de façon concentrée, ce qui signifie qu'il faut donc sans arrêt mettre dans la balance les intérêts de toutes les parties, et cela ne peut pas être pris, ne peut pas être fait uniquement en prenant en compte la perspective de l'accusé. En effet, ce serait donner en fait à l'accusé le droit et le pouvoir surtout de gérer son procès. Donc, il faut bien sûr avoir une chambre proactive qui va gérer l'affaire de façon à garantir son efficacité et sa rapidité. Et ceci a été souligné lors des travaux préparatoires du statut et d'ailleurs est sous-jacent à un grand nombre de dispositions du statut. Donc si ce n'est que la perspective de l'accusé qui est le paramètre permettant d'évaluer si le rythme du procès est correct, la défense semble oublier que le principe d'efficacité et de rapidité serve d'autres intérêts que celui de l'accusé. Tout d'abord, le procès doit être équitable pour toutes les parties en présence et pas uniquement l'accusé. Ensuite, deuxièmement, des retards injustifiés dans l'administration de la justice
porte préjudice non pas uniquement à l'accusé, mais aussi à la crédibilité et à l'efficacité de cette administration de la justice. Troisièmement, l'intérêt commun des victimes et de la communauté internationale dans un procès rapide et dans la délivrance d'un verdict soit d'innocence soit de culpabilité ne doit pas non plus être négligé. Les cours internationales des droits de l'homme ont déclaré que le droit de l'accusé à être jugé sans retard indu n'est pas enfreint lorsque la conduite même de l'accusé lors de la procédure a fait obstruction délibérément au procès. Et ils ont fait cela. Et en faisant cela, donc, ces cours ont bien montré que l'intérêt et l'appréciation de l'accusé n'est pas le seul paramètre à prendre en compte lorsque l'on évalue la rapidité d'un procès. Cela dit, la Chambre est parfaitement au courant des contraintes de ce procès, y compris y compris la santé de Monsieur Gbagbo. Et d'ailleurs, a pris cela en compte lorsqu'elle a défini le planning à venir. Et la Chambre a été fort heureuse d'apprendre lors de la dernière conférence du 27 mai 2016, lorsque Monsieur Gbagbo a dit, harmonieusement depuis le début du procès. lorsqu'il a dit que la procédure se déroule bien et parfaitement harmonieusement depuis le début du procès. La défense de Monsieur Gbagbo peut être rassurée, la Chambre va continuer de la sorte. Donc, sous réserve d'adaptation qui pourrait être nécessaire du fait de circonstances modifiées, normalement, donc, le planning de septembre à décembre de cette année sera ce qui suit. Donc, je vais donner maintenant les dates à laquelle nous avons siégé, donc le 30 et le 31 août. Maintenant, septembre, le 1, le 2, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30. En octobre. 3, 4, 5. 17, 18, 19, 20, 21. 24, 25, 26, 27, 28. Ça se reprend, pas de 28. 27, 31. Novembre, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30. Décembre, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Et maintenant, avant de parler du témoin P97, j'aimerais faire une déclaration à propos d'un propos qui a été tenu lors de la conférence de mise en état en séance à 8. Le 27 mai 2016, la défense de Monsieur Bégoudet s'est plaint des paiements de la rémunération des membres de l'équipe qui n'ont pas été payés à temps par le greffe. Eh bien, je me suis renseignée, je suis rassurée car ce n'est pas le cas. En fait, les paiements sont faits à temps, la seule exception étant lorsqu'il y a eu
le déménagement dans les nouveaux bâtiments. Et d'ailleurs, vendredi, j'ai répondu par email pour dire exactement ce que je viens de dire. En effet, cette déclaration a été faite à huis clos. Mais un jour, quand même, le dossier complet de ce procès sera rendu public. Et donc, ce type de propos qui remet en cause le professionnalisme de la Cour ne peut pas rester ainsi, sans être corrigé. Et maintenant, je vais parler des mesures de protection. Donc, avant de faire entrer le témoin dans le prétoire, la Chambre doit rendre sa décision sur la demande de l'accusation afin d'obtenir des mesures de protection pour ce témoin. Les deux équipes sont opposées à cette demande. La Chambre, vendredi, après l'avoir demandé, a reçu l'évaluation de l'unité des victimes et des témoins. Et par la présente, la Chambre octroie aux témoins les mesures de protection suivantes: déformation de la voix et du visage à l'écran, utilisation d'un pseudonyme et recours, le cas échéant, au huis clos partiel. La Chambre remarque aussi que l'accusation a envoyé un email hier à 16h41. Et par lequel le procureur accepte la procédure suggérée, c'est-à-dire que les parties vont sans cesse parler, se référer au toponyme et aux personnes par le biais de pseudonymes afin d'éviter que nous passions sans cesse de huis clos partiel en audience publique. Donc, pour éviter cette navette et afin de garantir l'oralité des débats. Je pense qu'il est maintenant le moment de faire entrer le témoin dans le prétoire. Monsieur l'huissier, veuillez s'il vous plaît faire rentrer le témoin. Et mon but étant également que vous vous sentiez à l'aise. La Chambre vous a octroyé des mesures de protection. Ces mesures de protection seront valables et utilisées pendant toute la durée de votre déposition ici. Et voici quelles sont ces mesures de protection. Comme vous avez pu le constater, les renseignements relatifs à votre identité ont été énoncés à huis clos partiel, donc seules les personnes présentes dans le prétoire connaissent votre véritable identité. Deuxièmement, un pseudonyme vous a été octroyé, un pseudonyme avec un numéro. Vous avez vu que je vous appelle monsieur le témoin, donc je ne vais jamais vous appeler par votre nom. Et vous êtes le numéro 97. Troisièmement, alors ni le public qui se trouve au-dessus de vous dans la galerie du public, ni quiconque, ni personne d'autre à l'extérieur de cette cour ou de ce prétoire ne seront en mesure de vous voir et donc de vous reconnaître parce que il y a altération des traits de votre visage et de votre voix qui sera déformée. Donc personne ne sera en mesure de vous reconnaître par la voix. Et cela sera également valable pendant toute la durée de votre déposition, monsieur. Alors, pour nous assurer que ces mesures de protection soient véritablement efficaces, vous devez également apporter votre contribution. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de vous abstenir de mentionner quoi que ce soit qui pourrait permettre de vous reconnaître et de vous identifier en audience publique. Et à cette fin, le procureur a préparé
une liste de toponymes, une liste de sources et une liste de noms. Ce qui fait que lorsque vous ferez référence lors de votre déposition à des lieux, par exemple, ou à des sources ou à des noms, ce que vous devrez faire, c'est répondre aux questions posées par le bureau du procureur et par la défense en utilisant ces pseudonymes. Mais j'aimerais vous poser une première question. Est-ce que vous pensez véritablement que vous avez besoin de mesures de protection? Est-ce qu'elles sont essentielles pour vous, ces mesures de protection? Est-ce qu'elles sont bien nécessaires? Oui, je pense. OK. Bien. Et en dernier lieu, étant donné que vous allez vous exprimer en français, et que nous devons absolument nous assurer de bien comprendre vos réponses, et nous voulons nous assurer que vous compreniez bien les questions qui vous seront posées, nous avons des interprètes qui travaillent pour nous. En conséquence, il est absolument primordial que vous parliez lentement, comme je le fais en ce moment, que vous parliez dans votre microphone, et que vous ménager des temps d'arrêt, et ce pour que l'interprétation puisse être effectuée. Donc, après avoir entendu la question qui vous sera posée, avant de commencer à répondre à la dite question, attendez 2-3 secondes. Donc, ne dites rien pendant 2-3 secondes. Est-ce que vous avez bien compris tout ce que je viens de vous dire, monsieur? Ok. Très bien. Now we come to the... Parfait. Alors maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir votre déposition. Alors, manifestement, vous savez que cette chambre a été constituée pour juger de l'affaire du procureur contre M. Gbagbo et M. Blé-Goudé. Donc vous avez été convoqué pour nous aider dans notre quête de la vérité. Yep. Des questions vous seront donc posées par les parties. D'abord, ce sera l'accusation qui vous posera des questions, puis les équipes de la défense, et si besoin est, par les juges de la Chambre. Si, à un moment donné, vous avez un problème, un souci, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous êtes fatigué, n'hésitez pas à me le dire. En tant que témoin,